vaisseau en douceur. Un simple stimulus de survie. Où est-ce que je suis? C'est quoi ce bordel? Sortir. Vous avez ce qu'il vous faut, docteur Koenig? Allons, colonel. Nous devons en apprendre un maximum sur ce sujet. Mais je suis pas sourd! Mon Dieu. Les données que nous collectons ici sont tout bonnement incroyables. Je te tuerai pour ça dehors. Hé! Hey, tu m'entends? Ça suffit, il est trop dangereux, brûlez-le. Roux, non! Il est bien trop précieux. Vous n'avez pas d'ordre à me donner, Koenig. Riley, allez-y. À vos ordres. Crémation ordonnée par le colonel Roux à 2h23. Ton destin. Je t'ai choisi pour ça. Bordel! Mais qu'est-ce que tu m'as fait? Je t'ai donné le virus Mercer. C'est comme ça qu'ils l'appellent, non? Le même virus, 2 années de suite, et toujours le Black Watch pour sauver New York. Réveille-toi. C'est pas une épidémie virale, mais un test d'armes biologiques. Gentech l'a conçu. Le Black Watch le contrôle. Et je porte le chapeau. Et ce type va te le prouver. Chancellor, voici le lieutenant Mark Simon du Blackwatch. Je t'emmerde! Ouais, laisse-toi faire. Laisse-toi aller. Laisse la vérité venir à toi. Les interventions de Mercer nous ont déjà causé assez de problèmes. Il doit être neutralisé une bonne fois pour toutes. Vous avez peur qu'il foute encore plus la merde? Je fais partie de l'équipe de Gentech qui a créé le virus en 1964. Bon, en 64, je ne laisserai pas tout gâcher. C'était quoi? Chaque être vivant que tu assimiles te rend plus fort. Tu prends leur apparence et tu prends leurs souvenirs.
réalité. J'ai vu ta saloperie de virus. Mais j'ai rien vu qui puisse me faire croire que tu dis la vérité, et pas eux. Vraiment ? Ils t'ont charcuté, mis dans une cage avec des infectés affamés, et ils ont tenté de te brûler vif. J'ai pas libéré le virus, ni tué ta femme et ta fille. Qu'est-ce que tu veux, alors ? Les combattre ? Je veux les détruire. Le Black Watch, Gentech, leur virus. Et je veux ton aide. Mais tu dois d'abord faire quelque chose. Gentech se livre à des expériences avec le virus. Il crée toutes sortes d'infectés. Il te faut cet ADN. Quand tu seras prêt, je te retrouverai. Et par pitié, enfile quelques vêtements. Ah, l'enfoiré. Viper, ici 2-5. J'ai des artistes aux coordonnées 1-9. Reçu. Appliquez la procédure. Bien reçu, Viper. Allez, enfoiré, à genoux sur la ligne. On sort ces papiers, allez! Capitaine, ça pue ici. Permission de désinfecter? Ouais, il va peut-être le falloir. Hé, hey, où vous allez? Vous êtes sourd ou quoi? J'ai dit à genoux. Mon pote. Avoir besoin, on dirait. Ok. Faut que je prenne de la hauteur pour savoir où je suis. Commandant du Black Watch, un cobaye de Gentech est en liberté dans la zone. Il s'appelle Dex Heller. Le spécimen est noir, chauve et âgé d'environ 35 ans. Il porte une veste en cuir et il est extrêmement dangereux. Si vous le repérez, tirez à vue. Terminé. Ouais, essaie seulement de me trouver. Une minute. Je le connais, ce quartier. C'est mon église. Je me demande si le père Guerra est là. J'aurais bien besoin de conseils spirituels en ce moment. Je ne vous veux aucun mal. James ? Quelle histoire ? Mais pourquoi venez-vous me trouver ? Je suis là parce que vous savez des choses. Les gens vous parlent. Je suis là parce que j'ai besoin de votre aide. Oui. J'entends beaucoup de choses. Souvent tristes. L'infection a balayé tout le monde. J'ai tenté d'aider.
J'ai fait tout ce que je veux. Mais le Black Watch est arrivé. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont rassemblé les gens sains dans des camps. Ils les ont infectés et mis en cage avec les... avec les monstres. Avec quelques amis, j'ai tenté de les faire sortir, mais ils nous ont pris et... Personne ne s'en prend au Black Watch. Je vais vous prouver le contraire. Si ce que dit Mercer est vrai, il faut que je m'intéresse à Gentech et au Black Watch. Qui commande par ici? D'accord. J'ignore leur nom, mais il y a deux commandants à l'hôpital. Ils en ont fait leur quartier. James, ne faites pas de grabuge, je vous en prie. Mon père, si c'est le Black Watch qui a créé ce virus, alors ce sont eux qui ont tué Maya et Colette. Vous feriez quoi à ma place? Soyez prudent. J'ai juste besoin de monnaie pour appeler mes enfants. Ah, c'était quoi, ça? J'ai des hallucinations, maintenant? C'est pas drôle. J'y vois plus rien. Qu'est-ce qui vous inquiète, Riley? Le docteur Koenig. Cette compassion pour Heller, c'était pas professionnel, c'était même écœurant. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas un sujet dont on parle devant de simples soldats. Merde! Williams! Qu'est-ce que vous foutez dans le centre de commandement? Regagnez votre poste! Koenig, c'est le vieux de Gentech qui faisait des tests sur moi dans le labo. Je m'en occuperai plus tard. D'abord, je dois semer ces enfoirés. Viper 2, ici Rattler. Répondez, Viper 2. Merde. James, vous avez trouvé les commandants? Un seul. L'autre s'est enfui. J'ignore où il a pu aller. Vous en faites pas pour ça. J'ai un moyen de le retrouver. Viper 3, ici Rattler. On vient de perdre le contact avec Viper 2. Bien sûr, Rattler. On est de corvée de nettoyage. Ça devrait pas prendre longtemps. Bien sûr. Restez sur vos gardes. Un singulier en liberté. T'es tranquille ici. Je marcherais mieux si je pouvais voir un peu plus loin. Bienvenue dans la zone.
Je sais pas comment je fais ça, mais putain, j'assure. Il va être brutal pour Koenig s'il croit que Rooks n'est qu'un simple bureaucrate. Bon sang, lieutenant, même moi, je pense pas ça. Mon ancien chef s'est battu avec le colonel après s'être murgé une nuit. Il est toujours à l'hosto. Il mange avec une patte. Il ne savait peut-être pas tenir sa langue. Comme vous, un peu de respect. Le colonel Rooks. Cet enfoiré a essayé de me faire cramer dans le labo. Voyons si je peux le retrouver. Quoique, je sais toujours pas comment ça marche, ce truc. Oh, merde. Luxmith, ici Catapulte 2-4. J'attaque l'ennemi sur le pont.